Bonjour tout le monde, c'est AJ, bienvenue pour l'épisode 5 de l'Ode au Prodige. Et dans le dernier épisode, on avait déjà commencé à faire les deux premières épreuves de Rudania. Là, je me mets en route pour la troisième. Enfin, c'était quand même beaucoup plus simple de partir du haut, vu que en haut, on n'a plus qu'à aller partout en volant. C'est magnifique de voir tous les sanctuaires qu'on a fait au loin. Et du coup, il devrait y en avoir un par là-bas. Alors pour l'instant, les deux premières épreuves, que ce soit en termes d'épreuves sur la carte ou épreuves dans les sanctuaires, étaient simples. Alors j'espère que la troisième sera tout aussi simple. Pour l'instant, c'est je crois celle qui au niveau du champ m'avait le moins marqué. Faut que j'arrête de faire home tout le temps. C'est pas là non plus les champs. On a fait... Ah oui, d'accord, on a fait les anneaux du cratère, on a foulé la lave, on a découvert la manière, et du coup, là, il nous manque plus que du brûlant colosse à frotter la colère. Alors, j'en viens à me demander si, en fait, c'est pas tout simplement un combat de boss, qu'on n'aura pas un Litorok à affronter, tout simplement. Je vois pas trop. Ça se trouve, on doit se battre sur la petite plateforme. Je voulais voir aussi, au niveau de la photo. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression de ne pas du tout être au bon endroit. Et en effet, en fait, je suis pas du tout au bon endroit. Le bon endroit est par là. Enfin, je crois, attendez. 1, 2... Un, deux... Oui, non, en fait, ce serait plutôt par là, en fait. Voilà, un petit peu en décalé. Ok, là, ça me paraît déjà un petit peu plus probable pour un combat de boss à côté de la lave. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a un gros caillou qui nous attend. Je vais accélérer un petit peu la chose, parce que là, je vois que j'ai plus du tout... Ah bah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, je le vois, le gros caillou qui nous attend, maintenant. Bonjour. D'accord, comment je fais pour te rejoindre? Tiens, ça me fait penser à une bêtise. Je suis en train de penser à une bêtise. Bon, peut-être pas Kryonis. Kryonis pourrait pas marcher, pardon. Mais... Je viens de penser à une bêtise. Hé, hey, deux secondes. Une flèche de glace. Désolé, j'en ai gâché une, hein, mais... Non, une flèche de glace sur la lave, ça fait rien du tout. Oui, parce que alors du coup, si vous n'avez pas compris, le seul moyen d'aller le battre, c'est de lui lancer une flèche de glace et que je lui atterrisse dessus. Tout simplement. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout armé en flèche de glace. Alors, attendez. Je pense quand même qu'il y a moyen d'accélérer un petit peu le combat. On va utiliser une potion de force. Et bah, de toute façon, j'ai ma meilleure épée. Bah elle est rapide au moins. Elle est rapide, du coup normalement elle devrait très bien faire le taf. Ça plus la potion de force. Si vraiment j'y arrive pas. Allez. Ah, je spam d'une force. Non. Ah, ah mince, par contre c'est vrai que s'il se secoue directement, je tombe dans la lave. Ça va, il a pas récupéré sa vie. Par contre, il n'attend pas pour m'attaquer. Hein. Il m'attend pas du tout. Je pense que ça sera très vite réglé. Et voilà. Voilà, merci. Bon, c'était marrant quand même comme principe. Bon, je suis mitigé quand même à dire que j'ai peut-être été un petit peu abusé en utilisant l'épée de légende. Bon, après, j'ai juste raccourci le combat en termes de durée, puisque, bon, mes autres armes sont tout aussi fortes. Et comme j'aurais quand même utilisé ma potion de force, bon, bah, c'est du pareil au même. Mais par contre, ils m'ont pas attendu pour m'envoyer tout là-haut. Je pourrais même pas récupérer mes petits joyaux qui me serviront à rien. Ils ont fondu dans la lave, c'est dommage. Bref, allez, le sanctuaire 2, j'ai pas eu le temps de dire encore une fois, c'est pas grave.
Alors, question de trajectoire, sanctuaire de Kamira Omuna. D'accord. Ah, on sort les canons, ça c'est cool. D'accord, donc. On va devoir bien utiliser le canon. D'accord, il va falloir faire la bombe au bon moment. Ça marche là-dessus, rien de bien compliqué. Enfin, j'espère. Je savais pas s'il y avait un délai ou pas. Ah mince, il y en a un autre. Il y en a un autre, il y en a un autre. J'avoue, je comprends pas trop pour le coffre. Ah, faut viser quand même aussi pour le coffre. Ok, c'est ça qu'il fallait faire. Mais en fait, avec une bombe, enfin une bombe de feu, une flèche de feu, j'aurais pas pu y arriver. Peut-être pas, ceci dit. Bon, soit. Par contre, si je mets pas ma bombe, ça va pas marcher. On est reparti. Espérons que ça le fasse. Là, je veux vraiment que ça atterrisse dessus. Ça va plutôt être une question de timing plus que de trajectoire. Allez, 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 allez. Là, je le sens bien. Ouais! Ah, mince! J'ai ah, d'accord, en fait, il fallait que deux trucs, mais non. Ok. Comment je cherchais mon coffre aussi par là-bas? Ok. Je regardais s'il y avait autre chose de caché. J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a que toujours un coffre. Ah, et là, je récupère avec Polaris. D'accord. Parce que ça aussi, c'est la question que je me posais, c'est comment je récupère puisqu'il est dans une cage. Ok. On va ne pas faire tomber, bien sûr. On va le poser tranquillement, ce sera plus prudent. Sait-on jamais? Je voulais le laisser tomber, mais je me dis qu'avec la chance que j'ai... Oh, un diamant! C'est vrai que les diamants, je les utilise tellement jamais. Avec la chance que j'ai, je pense qu'il serait très vite tombé. Par contre, du coup, je vais devoir utiliser un autre canon. Bonne question. Ça aussi, c'est marrant de voir un canon dans un sanctuaire. Ah oui, d'accord. Ok. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de coffre non plus, j'ai l'impression. Ah oui, alors ça mélange les deux casse-têtes. On va devoir utiliser un canon pour viser là-haut. Oh, je comprends moyen. Là, c'est trop bas pour le canon. C'est trop bas, c'est trop bas. Du coup, il faut faire quelque chose comme ça. Je viens de m'apercevoir que j'ai encore mis ma manette dans le bon sens, mais je sais pas où est X. J'espère que j'étais bien. La hauteur me semble pas mal. J'espère ne pas me tromper. Ouais, non. Ah mince. Ouais, non, c'est bon. Oui, non. Non, il nous reste encore un petit truc à faire. Oui, ok. Du coup, en fait, il faut que je remette le puzzle, mais de manière à ce qu'il ne nous gêne plus, quoi. On va devoir viser exactement au même endroit. Ah, c'est simple, du coup, il faut le renverser. Ah non, il nous gêne quand même. Ça fait quelque chose un petit peu comme ça. Enfin, pas comme ça, mais... Comme ça, à la rigueur. Ça me semble quand même vachement compromis, hein, placé comme ça. J'ai envie de faire le test.
espérant que ça se passe bien. Allons, ok. Bon, franchement, très simple et très très amusant ce sanctuaire. Vraiment aucune difficulté. Mais j'aime bien, c'est fun, c'est original. Je trouve qu'ils ont eu, pour l'instant tout du moins, de très bonnes idées pour les sanctuaires. Ça marche très bien. Et encore une fois, on se demande pourquoi ils n'ont pas fait ça avant, au lieu de nous mettre... au lieu de nous mettre des épreuves de force tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, du coup, je pensais que quelqu'un allait nous parler à la sortie du sanctuaire. Le sage nous a dit d'aller directement la créature divine vers Rudania, mais j'ai envie de relire au cas où... Oui, le guide spirituel vous a dit de vous rendre à la créature divine. Quelle épreuve peut bien vous attendre là-haut? Eh bien, on y retourne. J'ai l'impression qu'on a passé notre temps à aller voir Varudania, donc ça tombe bien. Du coup, ça veut dire qu'on va devoir refaire Varudania, mais d'une certaine manière. Ouais, je sens quelque chose comme ça. En tout cas, ça brille. Pour rappel, on avait interdiction d'approcher Varudania. Mais vraiment interdiction. Du coup, ça me fait plaisir de voir qu'on peut l'approcher à nouveau. Toi qui te tiens devant la créature divine, au nom de la déesse Ilia, je te soumets à cette épreuve. Les emblèmes de Rudania que tu apportes vont te permettre d'arpenter tes propres souvenirs. Tes propres souvenirs? Si ta détermination faiblit, cette épreuve te sera fatale. Le monde de l'illusion ne doit pas être pris à la légère. J'ai pas le temps de lire, peut-être. Le monde de l'illusion... Quoi? Ah oui, ils vont nous faire rentrer dans le dans la créature divine, quoi. C'est pour ça qu'ils parlent de souvenirs. C'est parce qu'ils vont nous remettre au fond du volcan, j'imagine. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est le seul moyen logique pour qu'ils nous remettent au fond du volcan. C'est dire, ah, en fait, on va dans tes souvenirs. Et en effet, j'ai l'impression que c'est à peu près ça. Le monde dans lequel tu te trouves est factice. Ce sont tes propres souvenirs qui ont déterminé son apparence. L'ennemi qui t'attend est né de la peur enfouie au fond de ton être, à toi de prouver que tu peux le surmonter. C'est ton âme seule qui doit triompher de cette épreuve. Tu n'auras pour arme physique que celle que je t'ai confiée. Quoi ? Non. Ah non ! Ah non ! Ah par contre ça c'est nul. Vous faites un DLC et vous pensez même pas à faire un boss original. Ça c'est... Je suis déçu pour le coup. Ombre de feu de Ganon. Univers onirique, ok. Là je suis quand même assez déçu parce que c'est vraiment juste un renouveau combat de boss. Alors... Ah oui, d'accord, et on doit utiliser en fait l'arme de Darwook. Elle est quand même à 60, ça c'est pas mal. Un petit arc et 5 flèches de glace. Et ma combinaison Inifus. Ah, j'ai quelques plats quand même. C'est tout. J'ai quelques plats, j'ai quand même les pouvoirs des... comment ça s'appelle? Des prodiges. Heureusement. En toute logique, ils auraient pu me laisser que le pouvoir de Darwook. Histoire de... Enfin... Pour jouer vraiment... la carte du roleplay à fond. En tout cas, pour l'instant, ça va. Hein. J'ai pas l'air d'avoir grand mal. Je me demande si... Enfin, je me demande quand même si elle a une... Ah mais d'accord, c'est nul. C'est nul comme combat. Et je me demande si elle a... Comment on appelle ça? Une endurance, enfin bref, ça peut se casser, vous m'avez compris. Non, c'était très très nul. Par contre, on se souvient tous de la deuxième phase qui, à l'époque, m'avait quand même posé problème. Puisque je n'avais pas compris qu'il fallait lui envoyer des bombes. Ça m'avait pas paru très très logique à l'époque. Maintenant, je le sais qu'il faut déposer une bombe. Peut-être un petit peu plus près. Pour qu'elle s'envole. Elle a pas eu le temps de s'envoler. Bon, j'ai mal joué. Oh mince. Bon, heureusement que j'ai mes 66 coeurs.
J'ai mal joué l'aspiration, je pensais que ça aspirait de super loin. Mais oui, à l'époque, je le voyais... je voyais faire son attaque, en fait. Je voyais pas qu'il qu'il aspirait. Du coup, ça me semblait pas logique de lui envoyer une bombe. Pour moi, voilà, c'était pas une aspiration, c'était vraiment juste un chargement d'attaque. Par contre, c'est moi où vraiment il est très 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 simple à battre. Je ne comprends pas. Je suis relativement perplexe quant à ce combat de boss. C'est vrai que j'ai aussi les flèches de glace, s'il m'embête. Ah mince! Je pensais que je pouvais le frapper quand même un petit peu. C'est naze! Ah non, mince, il a pas aspiré. Oh, par contre, il a bien profité pour ma voix. J'ai pu la voir. Oh! Juste à spammer en fait. Non! Peut-être pas. Allez, 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 allez. Là, je peux l'avoir. Largement. Ok. Oh! Attendez. Je venais de poser ma manette en mode oh, c'est bon, on l'a fini, c'était naze. Ah, mais je crois que c'est vraiment fini. Je m'attendais à une surprise. D'accord, non, on a vraiment rebattu l'ombre de Ganon. Eh bien, je suis mouais pour cette phase, je suis mouais. Déjà, je commence un petit peu à m'inquiéter du fait qu'il m'a enlevé tout mon équipement. Et finalement, le combat est pas spécialement moins dur. En tout cas, pour celui-ci. Mais le fait d'avoir exactement le même boss au même endroit sans aucune variation, à part le changement d'équipement, je... Non, je sais pas. J'ai pas trouvé ça aussi original que les épreuves et les sanctuaires qu'on nous a fait, qu'on nous a fait tout simplement. Du coup, je suis un petit peu mouais pour ce côté boss. Rebattre le boss peut être sympathique, mais bon, déjà j'aurais préféré des boss originaux et quitte à rabattre les mêmes, bah, vraiment quelque chose qui me donne un aspect différent, je sais pas. Peut-être pas autant de challenge que pour les épreuves de l'épée qui m'auraient fait rager, mais je sais pas, il manque un truc. Et désolé, je te lis pas Azarim du coup. En explorant la zone, en écoutant les gens, une idée m'est venue, écrire un nouveau chant. Sur le prodige d'Aruk, mon maître a fait le sien, à mon tour d'apporter de l'eau à son moulin. Et quel meilleur moyen de bien saisir une âme que d'errer en un lieu où a brillé sa flamme. Voici, si tu veux bien, la chanson de Daruk. Il n'y a pas de rime en Daruk. J'aurais bien été curieux de voir ce qu'il aurait trouvé. En ce temps, celui qui Rudania piloterait du titre du prodige n'était pas décoré. Très mal lu, c'est brave. Il s'appelait Daruk, le colosse au cœur fier, qui reçut un beau jour la visite princière. Oh, des souvenirs, trop bien. Des souvenirs. Pas de problème. J'accepte avec joie. Oh. Daruk l'intrépide n'est pas du genre à se défiler. Si vous dites qu'Irul a besoin de moi, je serai là pour répondre à l'appel. J'aime bien Daruk. Je sais pas si ça a un rapport avec le fléau, mais ce qui est sûr, c'est que ça grouille de monstres par ici. Je me demande si c'est un rapport avec le grand méchant, mais il y a plein de monstres. Quand je m'aventure hors de l'enceinte du château. Oui, c'est prévu. Mon père a l'intention de me choisir un chevalier servant. Il devrait se décider bientôt. Il va certainement recruter le plus grand épéiste d'Irul. Ah, j'avoue, j'aurais bien été curieux de voir comment Link a été choisi. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que je disais ? Il y en a de plus en plus. Oh, ça va. Me dites pas qu'ils s'en prennent à quelqu'un. Il ferait beau voir. Bougez pas de là, princesse. Il a tellement la classe, Daruk. Mais il est énorme. Purée. Regardez les pires. Ça, quand on se retrouve en face du grand Daruk, y'a pas à réfléchir. Faut mieux décamper en vitesse. Il y a vraiment trop la classe. Ça va, t'as fait 3 pas, princesse, pas à peine d'être essoufflée.
Viens là. Oh. Trop mignon. Pauvre bête, c'est après lui que ces monstres en avaient. Heureusement. Le pauvre. Il n'est pas blessé. Oh. Non, sérieux. D'accord, pardon. Désolé de m'être donné en spectacle. Ça m'a rappelé quand j'étais gamin, on m'appelait encore Darubo. Darubo. Ces bestioles passaient leur temps à me pourchasser. Aujourd'hui encore, je tremble comme une feuille dès que j'en croise une. C'est drôle, je n'aurais jamais cru que quoi que ce soit puisse te faire peur, Darouk. Dites-moi, princesse. Oui. Le fléau Ganon, c'est pas... c'est pas un monstre en forme de chien, au moins. J'ai bien aimé la façon de le montrer bien classe face à une troupe de Bokobla, puis après, ah non, un chien, protection. Et du coup, je pense que c'est pour faire le parallèle avec Yunobo. C'est vrai que moi, ça me marquait un petit peu moins, parce que Yunobo, bon bah, ça commence à en faire des épisodes que je l'ai pas vu, le petit Yunobo. Mais ok, plutôt sympa pour le coup. Ce valeureux prodige qui riait du danger, au frisson de la peur, n'était pas étranger. Ainsi s'achève mon chant, je te prie qu'il t'ait plu, prodige et vulnérable, qui l'aurait jamais cru. Écrire sur le prodige et chanter son histoire, mon maître serait fier, je te prie de le croire. Ce chant inachevé, je viens de le comprendre, l'apprenti de mon maître se doit de le reprendre. J'étais sûr que tu y arriverais. Et maintenant, tu vas pouvoir... Oh, c'est vrai ? Le bouclier de Darouk. J'étais déjà super abusé, et là, je vais être encore plus abusé. Mais c'est trop cool ! Quand tu verras cette crapule de Ganon, faudra lui transmettre un message de ma part. Une bonne torgnole sur le groin. En soi, je l'ai déjà vu, donc... Je lui redirai après. Bouclier de Darouk plus... Le pouvoir de prodige Darouk repousse automatiquement les attaques ennemies. Maintenez ZL enfoncé pour l'activer. Se recharge désormais plus vite. Ok, je pensais qu'il allait être plus puissant, même si je vois pas trop comment il aurait pu être. En fait, il se recharge plus vite. Ok, la chanson de Darouk. Ou alors une... Enfin... Ouais, non, il s'utilise toujours que 3 fois. Si j'ai pas de bêtises, il s'utilisait déjà 3 fois. C'est un peu triste, l'animation est pas différente, par contre. J'aurais bien aimé un petit truc en plus. Ok, il se recharge plus vite. Ah, c'est pas indiqué combien de temps il met pour se recharger, mais je pense qu'on peut peut-être se trouver un ou deux ennemis pour voir ça. Alors, qu'est-ce que tu dis de mon super bouclier? Ah oui, c'est bien parce que vous visez automatiquement, du coup, normalement, il aura pas de mal à me battre. Par contre, oui, l'animation du bouclier a vraiment zéro différence, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Mais j'aurais bien aimé un petit truc en plus, je sais pas, une autre couleur, je sais pas, quelque chose. Ils ont bien amélioré le symbole, ils auraient pu faire quelque chose pour le reste. Et du coup, je peux l'utiliser à nouveau dans 6 minutes. Ok, je savais pas que c'était plus. Je sais plus combien était le temps original, mais... Ok, 6 minutes. Oui, c'est très très rapide, hein, quand même, 6 minutes à recharger. Par contre, désolé, je m'en vais. J'ai plus rien pour me protéger. Non, ça reste quand même très très rapide, 6 minutes, donc... voilà, ça n'était pas trop nécessaire de faire moins. Déjà que je trouvais que ça se rechargeait relativement vite. Pour le coup, avoir le pouvoir de Revali qui se rechargera plus vite. Alors, je me demande s'il se rechargera plus vite ou s'il ira plus haut. Peut-être les deux. En tout cas, ça risque d'être abusé pour Evali. Ou alors plus d'utilisation. Ça, c'est possible. Et même question pour Urbosa. Est-ce que ce sera plus puissant, plus grand, l'onde électrique, est-ce que ça se rechargera plus vite? Est-ce que j'aurai une utilisation plus tôt? Je sais pas. En fait, je trouvais ça un peu nul. Si à chaque fois, ça serait se recharge plus vite, se recharge plus vite, se recharge plus vite. Moi, je... Quitte à avoir un petit cadeau, j'aime bien qu'il soit joli, qu'il ait la classe.
Après, c'est bien que ça se recharge plus vite, mais bon, moi ça me dérangeait pas le temps qu'il mettait à se recharger, donc c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Enfin bref, très très content du souvenir de Darouk. Par contre, c'est un petit peu court. Du coup, on nous a teasé des souvenirs, et si finalement il y a que quatre petits souvenirs, je sais pas, on verra à la fin. En tout cas, peu importe si on est qu'un ou plus. Pour l'instant, le souvenir de Darouk était très très sympathique. Donc j'espère que les autres seront aussi drôles. Bref, merci de regarder cet épisode et à très bientôt pour la suite. Au revoir!